Non, ni absolument. Je n'ai aucune connexion avec M. Franklin. Mais par contre, je vous dire qu'il m'a déjà joint avec M. Franklin. Et je vous raconte tout. Comment m'a-t-il joint avec M. Franklin? C'était pendant la période, pendant la campagne électorale, que moi, en tant que nouvelle dans le domaine de la politique, je fais lancement de la politique, m'a-t-il dans la circonscription, en pleine campagne, que un journaliste pose moi la question, comment m'a-t-il vivre sa nouvelle aventure en tant que politicienne? M'a-t-il exprime-moi, on connaît à l'époque, je ne pas trop connaît comment exprimer. Mais en tant que politicienne, que te dire une phrase concernant la condition de Ban Madame dans la région de Rivière-Noire. Et quelques jours après, le terrain football Le Monde, il y a un gros tournoi football. Un dimanche, venu dire moi, il y a un monsieur appelé Franklin, puis bien cause avec vous. On a allé. Et en chemin, l'état m'a fait aussi. Il dit, monsieur, là, moi, je crois, monsieur Franklin, là, un peu en colère, pour ça, cause qui m'a causé au Ban Madame Rivière-Noire. Je approche lui, je me mets moi devant lui, je me dis bonjour monsieur, vous pouvez bien moi. Et lui dit moi, oui madame, ça cause, vous pouvez causer, l'obane madame Rivière, là, pas trop bon. Et là, je me dis lui, excuse-moi, mais je ne pas dire ça du tout dans l'intention pour offenser qui que ce soit. Et peut-être, façon qu'il me dit lui, il m'a mal interprété, mais moi, vraiment, si toutefois, je l'offense, je me excuse-moi. Et là, l'Indien m'a reconnu, m'a dit, qui s'en a qui derrière ça, ça m'a causé là, qui s'en a qui peut faire ça causé là mal. Mais Aïla, ça dit, là, ça c'est tout ce qui m'a pour me dire, c'est simplement, vous pouvez faire comprendre qu'il m'a dit, là-bas, quand vous causez l'autre coup, faites attention à ce qu'il vous dit. Et m'a allé. C'est ça la première fois qu'il me trouve, M. Franklin. Et après, qu'il m'a reconnu, qui c'est lui, en fait, c'est lui le fameux Franklin là. Hein. Après, une autre fois encore, je me suis avec un ban d'Imoun dans la région du Mône, et ban habitant le Mône, quand nous tirons la plage, le Mône, nous peut causer. Et lui, monsieur là, tu peux passer. Et dans N le tout avec le monsieur Mimi là qui fait Vin Maurice et ben mes enfants dans l'endroit là-bas ils ont envie de faire photo avec le monsieur ça ivoirien là et c'est comme ça qu'il dit Franklin arrête sur le tout et ben mes enfants là ils font ben photo avec Mimi mais il reste très loin hein. Il même pas il dit moi bonjour il même pas une approche avec moi quoi que ce soit et c'est ça la deuxième et dernière fois qu'il me trouve Franklin et pas plus et là presque pareil ensemble avec tout ban mauricien que Enzo. Et mon chauffeur il montre moi la golette, il dit moi c'est là ça la case qui va la pécoser là. Au parti même connaît qui tient là ça la case là. Et mon rassier tout le monde dit qui n'a absolument rien à voir avec Franklin. Mon père n'a aucune photo parce qu'il a dit mon père tient la photo mon effacé alors. Il n'a aucune raison. Il est tellement évident. Sandra, il met une bonne photo, après il efface bonne photo là au Facebook. Tout le monde connaît la vérité. Mon père n'a aucune connexion avec ce monsieur là. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.